Les
qu'il faut pour les conduire. Des femmes et des leaders fortes. Je méprise les hommes. Ces paroles sont amères. Ne fais-tu pas d'exception? Une seule? Laquelle? Pietro. Toi, mon beau Pietro. Tu veux reprendre le métier? Sait-on jamais? Quel bon vent t'amène? Des souvenirs. Ah, tu as des regrets, hein? Non, besoin d'action. Patron! Ah bon? Ces messieurs, je crois, ont quelques observations à t'adresser. Messieurs? Chef! Nous ne sommes pas contents. Mais les affaires ne vont pas. La dernière fois, vous nous avez fait passer en plein centre-ville. Rester un jour et une nuit dans les sous-sols de la chocolaterie Fragoletto. Et pour quoi faire, hein? Pourquoi? Pour voler 120 francs. Qu'il aurait fallu partager entre 73 personnes. Et vous n'avez trouvé rien de mieux que de les garder pour vous. Et alors, on s'est rabattu sur les éclairs au chocolat. Et il y en avait, les éclairs au chocolat. Total, la plupart de nous s'est retrouvés malades. Et moi, j'aime pas le chocolat, alors j'ai rien eu. Eh bien moi, voyez-vous, j'adore ça, le chocolat. J'étais banquier, moi. Je me suis fait voleur en espérant qu'il y aurait moins de travail et plus de bénéfices. C'est le contraire qui est arrivé. Quoi se dit-il, Carmagnola? Chef, nous ne mettons pas en doute la peine que vous vous donnez pour nous être agréable, mais... Mais nous n'avons jamais qu'est-ce que vous voulez à la fin. Mais on a une idée pour nous en sortir. Chef, et toi, Domino, qu'est-ce que tu viens réclamer, hein? Je ne peux plus supporter ça. C'est aujourd'hui ton anniversaire. Est-ce possible?
ça, au fond de tout ça, de tout ça, de tout ça, je suis père et j'espère que ma fille me le dira, me le dira, me le dira, me le dira. C'est un père, et pas père. Il ne reste malheureusement aucun poste à pourvoir. Mais
Arrêtez-les, mon père, je vous en prie, le jour de votre anniversaire. Stop. Je vais te donner ta chance. Suis-moi. Nous allons faire un tour dans la montagne, mais je serai à tes côtés, mon gaillard. Et nous verrons si ton mérite est à la hauteur de ton ambition. Allons à la montagne. Mais vous, mademoiselle, vous, à cause de qui j'ai pris cette détermination qui pourrait avoir une certaine influence sur ma vie entière, ne me diriez-vous pas quelque chose? Je vous ai écouté avec beaucoup d'admiration. Et alors? Je t'aime. Je t'aime. En voilà assez. Vous allez venir avec nous, jeune homme. Et toi, ma fille, tu vas rester ici avec Pietro. Le temps de faire faire à monsieur ses premières armes. Fiorella, tu as beaucoup changé. Pietro, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et alors? Ah, voilà une bonne maladie. On n'en meurt pas si facilement. Mais Pietro, je ne sais pas si c'est le véritable amour. Pardon. Regarde là-haut, il y a quelqu'un. Où ça? Mais là-haut, regarde un homme. Un alpiniste. À travers la verrière. Pardonnez-moi, mais la nuit tombante m'a fait perdre mon itinéraire. Et ce dernier appel est une vraie catastrophe. Ça fait un peu film d'aventure, non? Ah oui, tout à fait, oui. Bref, je me suis un peu perdu. Vous pourriez m'indiquer le chemin pour aller à la ville? Mais c'est un peu difficile de vous expliquer, monsieur, mais si vous voulez, je vais aller vous chercher un guide. Un guide? Je ferai vite. Et je serai bientôt revenu. L'air un peu bébête, mais mignon. Bien mignon. Et dire que tout à l'heure... Oh, c'est dommage. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que vous avez l'air un peu bébête, mais que vous êtes très mignon. Absolument comme toi. Quoi? Non, pardon. Tu n'as pas l'air un peu, mais tu es jolie. Très jolie. Ça. Mais excessivement jolie. Et puis vous trouvez là, seule, au milieu de tout ça... Avec ce petit chapeau et cette plume rouge, tout cela a un air. Je vous adore. C'est vrai, ça? Mais oui, c'est vrai. Oh, s'il ne part pas, je vais m'évanouir. Oh, j'en oublie même jusqu'à ce jeune chocolatier. Oh, il est trop... Partez! Pardon? Non, je partirai quand votre oncle sera revenu. Ah, mon oncle? Oui. Ne l'attends pas, il ne reviendra pas seul. Eh oui, je sais. Il doit ramener un guide. Un guide? Tu veux dire que... Je veux dire que si tu continues à sourire aux anges, tu es perdu. C'est une farce, pas vrai? Mais qui tu crois que je suis? Oh, attends un peu. Ce chapeau pointu, cette plume rouge, tu dois être une bergère. Ah, une bergère? C'est pas ça? Ah non, c'est pas ça. Pas ça du tout. Ah, oui. Alors, si t'es pas une bergère, qui donc es-tu? Qui je suis? Mon père est un chef de bandits. Et je suis, moi, la fille de mon père. Ah, oui, monsieur, votre père est un chef de bandits. Oui. Un terrible bandit sans pitié. Oui. Il va revenir pour me... Oui. Avec ses hommes. Avec ses hommes. Eh oui, oui. Vous pensez que je devrais... Ce serait plus prudent. Eh oui, prudence est mère de la sûreté. Je crois que c'est plus sage. Ah, vraiment, on est en plein film d'aventure. Alors, je m'en vais. Non, n'en dis pas davantage. Dites-moi seulement quel chemin je dois prendre. À quel chemin? Oui. Après avoir fait un pas de à gauche, tu tourneras un peu tour de roue. Et par une route étroite vivement, tu descendras, tu descendras. Là, tu verras la rivière et tu la traverseras, tu passeras. Ne t'entends pas, maman. Enfant, tu n'écoutes pas. Je
papa, te trouve là. Petit papa, qu'est-ce qu'on fera? Va-t'en donc, va-t'en donc. Tout en haut de la montagne, tu m'entends, tu vas te rappeler. Si la bataille te gagne un être, tu souffleras, tu souffleras. Et tu reprendras ta route sans courir après tes morts. Jolie que ma fille. Allons, je crois qu'il ne faut rien faire qui
mettons en place ce précieux document. Hé, ma photo ! Et toi, Pourrier, reprends ton cheval, reprends tes esprits et reprends ta course pour Mantoue. Yeah.
Soyez pitoyants.
bien ici que la princesse de Grenade et l'ambassade du prince doivent loger. Oui, monsieur le voleur. Oui, monsieur le voleur. Oui, monsieur le voleur. Je te dis, moi, monsieur le fraudeur. Ah, je te dis, moi, Grégino, je suis enfermez-moi ce brave homme et toute sa famille dans la cave au charbon. Voler selon la position sociale qu'on occupe dans la société. C'est élémentaire. Dans une affaire comme celle-ci, messieurs, fini le vol à la tire de la dignité. Et je vous promets le succès. Si je consens à seconder vos vastes desseins, si grâce à moi vous empochez les 3 millions, quelle sera ma récompense? Veux-tu 5%? Oh, mon père. Quoi? 15? Mais nous alors? Vous ne me comprenez pas, mon père. C'est bien peu de choses, l'argent, quand on est mordu comme je le suis. Et que veux-tu, alors? Lui. Le petit chocolatier? Le voilà bien désintéressé. N'est-ce pas? Vous lui donnez 20%, et lui, vous me le donnez. Mais elle va tout nous prendre comme ça? Et voilà, on va encore se taper les chocolats. Quelle connaissance! Quel sens des affaires! Alors, c'est entendu? Marché conclu. Et nous ferons signer le contrat par le premier notaire que nous envoyons. Attaque, combat, rada. Aujourd'hui,
que de la prose. De la prose froide, dépouillée, réaliste, manipulation, spéculation, attentat. Eh bien, moi, je trouve notre entreprise plutôt romantique. Nous allons nous transformer en marmitons pour capturer la suite du prince. Une fois cela fait, nous changeons de masque pour surprendre l'escorte de la princesse. Et ensuite, nous enfilons leurs vêtements pour aller chercher les 3 millions. N'est-ce pas une belle comédie? Ah, en fin de compte, vois-tu, c'est nous, les véritables artistes. Il suffit d'enfiler ses vestes, de mettre ses toques, et la magie du théâtre nous transporte dans une comédie musicale célèbre intitulée... Les brigands du Grand Hôtel, la scène du restaurant. Voilà, les brigands sont déguisés en marmitons. Mélodrame, supposons qu'un client entre dans le restaurant en ce moment même. C'est ça qui sera amusant. En voilà un qui pourrait s'éventer d'être bien reçu. Oui, si bien reçu qu'à peine est revenu ici, il lui serait impossible d'aller autre part. Les brigands rentrent en air si en faisant. Il appellerait une voix si douce. Il lui dirait si gentiment. Arrête-toi, bon, je t'en prie. Et toi, je suis...
pas rentrer dans vos familles? Non, chef. Et pourquoi ça? Nous avons eu peur d'être grondés. Ah, pour être rentré trop tard. Justement. Et vous avez trouvé mieux de... Je ne veux pas rentrer du tout. C'est très bien. Chef, chef, chef. Voilà le cortège en bassin. Le chef des carabiniers et ses hommes. Dissimulez, dissimulez. Ayez l'air de vrais marmitons. Yeah.
que je ne l'ai pas taillé. Mais je le taillerai. Vous êtes sûr? J'en suis sûr. Pourquoi ne l'avez-vous pas taillé? Parce que je n'ai jamais pu le rencontrer. Ah, c'est une raison. Mais je le rencontrerai. Ah, vous croyez? J'en suis sûr. D'ailleurs, je sais pourquoi je n'ai jamais pu le rencontrer. Et pourquoi? C'est à cause de mes trompettes. Ah. Qui l'avertissait en faisant du bruit. Alors, je supprime les trompettes. Oh, c'est vraiment dommage. Moi, je mettrais bien les trompettes. Leur sonorité, leur timbre, leur éclat. Et vous ne songez pas les remplacer par... Les remplacer par... Par des tambours, par exemple. Vous vous fichez de moi? Oui, mon capitaine. Oui, mon capitaine. Thank you.
que c'est indécent. Mais il doit y avoir quelqu'un. Ce n'est pas croyable, tout ce voyage sous cette chaleur. Si je n'étais pas aussi fatigué, je me mettrais en colère. Trouvez-moi à boire. Voilà, il n'y a personne. Monsieur, monsieur, à boire pour la tête. Princesse. Madame, madame, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais quel truc arrivé? J'ai vraiment l'impression qu'on se fiche de nous. Vous ne trouvez pas, monsieur le comte? Messieurs, madame! Sa Majesté! J'ai l'honneur de vous présenter les respects de notre pays. Monsieur Fazer! Je veux dire ça, Majesté, l'ambassadeur. Non, non, son excellence, l'ambassadeur, devrait être prêt dans un moment. Mais qu'est-ce que vous racontez, là? Vous savez sans doute que vous êtes en présence de Sa Majesté, la princesse de Grenade. Non, que la princesse de Grenade, moi, Pepino, desde el lunes pasado, señora. Je m'en excuse, mais la situation, je vous prie de me croire vraiment indépendante de ma propre volonté. Et j'aurais voulu... Mais où est-ce cette fameuse ambassade qui devait nous attendre? Vous êtes en retard, tout est en retard. Comment? L'ambassade de Grenade est ici, mais vous ne pouviez pas dire plus tôt? Ce sont eux? Je crois qu'ils sont prêts, ils vont arriver. Mais qu'ils descendent, qu'ils se dépêchent! Vous me permettrez de vous dire que votre pays ne tient pas compte de la morgue espagnole. La morgue espagnole. J'en étais sûr. Altesse, mesdames, messieurs. Mais cet hôtel est en dessous de tout, madame. Il vous manque la classe, la dignité. Et ça ne s'apprend pas à vous pour y disposer. À qui ai-je l'honneur? Chef des carabiniers du duc de Mantoue. Et mes hommes. Belle tenue, n'est-ce pas? Ma tenue de campagne, du désordre, de l'animation. Ils sont superbes. Et voulez-vous les voir manœuvrer? Nous n'osions pas vous le demander. Mais je vous ai donc pas. Attention, vous autres. Attention, hein, attention. C'est une revue. Une revue ou bien un défilé? Ah, oui. Et un petit défilé d'honneur pour la princesse. Non, mais si vous voulez, prends deux tout. Ah non, c'est assez. Oui, c'est assez. Oh, 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 c'est une machine. Oh, 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 ils ont brûlé toutes mes décorations. Mais oui, mon cher baron. Qui c'est qui a choisi ces lieux? Hein? C'est vous? Vous vous appelez comment? Comte de Gloria Cassis. Baron de Compotasso. Enchanté, baron de Compotasso. Non, Compotasso, Compotasso. Compotasso, so, so. Compotasso. Bon, et maintenant? Me permettez-vous, cher baron, de vous présenter les personnes qui accompagnent la princesse? Le comte de Valladolid. Eh, oh. Vous êtes en mesure, je suppose. En mesure de quoi? Mais de quoi faire? Eh bien, de nous payer les 3 millions. Les 3 millions. Quand vous êtes en mesure de pas comprendre, vous êtes en mesure de vous êtes. Quel drôle de baron!
remarque pas que certaines personnes ont un air de déjà-vu. Attends, vraiment, vous croyez? Vous n'avez pas remarqué? Moi, pas du tout. Allons, mais si, ça y est, j'y suis. J'y suis quoi? Nous l'avons entendu. Mais qui, enfin qui? Cette femme. Nous l'avons entendu au lycée de Barcelone. Oh, la madre que me parió! Mais oui, c'est elle! Madame! Oh, 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 quelle voix! Quelle présence! Quelle figure! Ah, ça fait une merveilleuse castagne! Et faut, sera
sans pitié, qui dévore tout ce qui nous reste d'humain. Vous devenez philosophe. Allez, de vous à moi, vous êtes amoureux. Vous aimez cet espagnol. Qui sait? Mais cette photo a ravivé le cheval impétueux qui se tient ici. Todos dicen que es mentira. Elle me rappelle un rêve. J'ai rencontré dans une situation rocambolesque une jeune bergère éperdue qui... Tout ça est une autre histoire. Vous me fatiguez, monsieur, vous me fatiguez. Vous êtes un escroc, un escroc. Vous êtes tout le monde de chez vous, vous êtes un escroc. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Je vous dis, faites-moi ça. Et voilà. Et voilà. Je vais vous passer à mon fessier. Oh, pardon. Monseigneur, mesdames. Mais venez, vous n'êtes pas de tour. Quelle mine vous avez, cette air fatigué. Savez-vous bien, monsieur Montessier, que si je ne vous connaissais pas, eh bien je croirais que vous avez passé la nuit à faire la fête avec des demoiselles. Non, monseigneur, vous ne pourriez pas. Non, non, je ne crois pas, mais cette figure, le désordre de votre toilette... Je vais passer la nuit courbé sur mes chiffres. Chiffres? Alors? Non, imaginez-vous, monseigneur. Vous aussi, mesdames, vous pouvez écouter. Imaginez-vous qu'hier, en faisant ma caisse, j'ai trouvé 2 centimes de trop. Oui, oui, 2 centimes. Alors je me suis dit, non, ça, je ne peux pas aller me coucher comme ça. Il faut que je retrouve l'erreur. Eh bien, Altesse, je ne me suis pas couché. J'ai retrouvé l'erreur. Et voilà, monseigneur, pourquoi j'ai ce matin le visage défait et la mine éreintée. Et je sais, vous n'êtes pas un caissier ordinaire. Oh, Altesse. Sommes-nous un peu riches en ce moment? Si nous sommes riches, mais je crois bien que nous sommes riches. C'est parfait. La marquise alors vous dira ce que coûte son hôtel et vous paierez. Ah oui, et vous paierez aussi une note que la duchesse a chez son couturier. Oh, j'aimerais mieux avoir l'argent et payer moi-même. Ah, vous serez donc toujours la même, hein, madame la duchesse. Autre chose maintenant, pardon, mesdames. La princesse de Grenade arrivera tout à l'heure. Mais vous le savez, je ne tiens pas à ce que les gens qui l'accompagnent fassent ici un trop long séjour. Oui, vous avez raison. Mais vous aurez donc à leur remettre au plus vite les 3 millions qu'ils doivent recevoir. Les 3 millions. Oui. Vous avez les fonds? Altesse. Je vous demande si vous avez les fonds. Ah, si j'ai les fonds, mais je crois bien que je les ai, les fonds. Qu'est-ce que nous deviendrions, hein, si je n'avais pas les fonds? À la bonne heure. Et sera-t-il permis à un fidèle sujet d'ajouter un mot? Si vous y tenez. Altesse, il est 9h et en ce moment sans doute, la jeune princesse entre en gare. Et j'ai à peine le temps de réparer un peu. Ah, merci, caissier, merci. Prenez garde, monseigneur. Prenez garde. Vous aimez trop les femmes. Et quand on aime trop les femmes... Tenez, tenez, montez dans mes bureaux. Voici la clé. Ouvrez ma caisse. Et vous n'y trouverez pas grand-chose. Vous y trouverez 1283 francs 25 centimes et pas un copec avec. Voilà où en sont les finances du pays. Pardon. Mais le reste, me direz-vous encore. Le reste, misérable, mais qu'est-ce que tu as fait du reste? Ce que j'ai fait du reste, eh bien, mais je l'ai mangé avec des femmes. Je me souviens encore de mon premier détournement. Venez avec moi. Venez avec moi. Venez, allez, venez. Venez avec moi. Je t'aime, répétait-elle, je t'aime. Redites-moi, je t'aime. Je t'aime. Un petit peu plus tendrement. C'est comme vous voudrez. Et elle se penchait vers ma poche et... Une mèche de ses cheveux me taquinait la joue. Merci. Ses lèvres effleurèrent mes lèvres. Alors j'ouvris mon livre de caisse. Je saisis mon grattoir. Et je grattai pour la première fois. Voilà ce qui m'a perdu. Et même tout l'argent, oui, tout l'argent de mon pays.
vous m'applaudissez, comme vous êtes gentil. Je vous remercie. Mais si demain je suis en prison, est-ce que vous m'applaudirez aussi? Oh, que devenir, que devenir! L'hôtel de la marquise a payé, le couturier de la duchesse a payé, l'orchestre a payé, et 3 millions à donner à l'Espagne, ça. Ça, je la connais, l'Espagne. Elle les réclamera, ces 3 millions. Elle en a besoin. Que faire? Que faire? Le son du canon mêlé au bruit des castagnettes! Ce sont eux! Ce sont les Espagnols! Attention! Thank you.
pardon, Altesse, mais il y a un contrat à honorer. Oui, un petit compte. Voilà mon dossier. Je vais s'occuper de toutes ces questions. Très bien, Altesse. Mesdames, messieurs. Messieurs, je ne pouvais pas avoir l'air d'un homme qui trouve la même chose. Mais nous vous avons parlé des 3 millions. Mais oui, mon révérend, mais oui, je monte dans mes bureaux. Je prends les 3 millions et je vous les apporte. Voulez-vous de l'or ou des billets? Des billets, non, ça m'est complètement égal. Et à moi, de... Mais qu'est-ce que tu fais, là? Mais écoute, je ramasse ma petite recette. Mais quelle recette? Mais écoute, j'ai donné quelques poignées de main. Et en retirant ma main à moi, je ne sais pas comment cela s'est passé, ces bagues... Ont suivi. Oui, bon, justement. Ça suffit. Tenez à voir mes titres. Non, 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 c'est pour la forme seulement. Je suis certain qu'ils sont parfaitement en règle. Alors, ça va aller tout seul. Si c'est un honnête homme, je suis perdu. Mais si c'est un malin, avec ce billet... Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ça c'est un billet de 1000 francs, ça. Ah, parfait. Alors, il faut encore 2 999 000 francs. Vous dites qu'il faut encore. Il n'a pas pris le billet. Je disais, il faut encore 2 999 000 francs. C'est parfaitement juste. Dites-moi, vous vous êtes occupé de finances, vous? Oui, quelquefois. Si nous parlions des 3 millions... Vous tenez à en parler? Oui. Eh bien, parlons-en alors. Hein? Parlez de cela ou parlez d'autre chose, cela m'est bien égal à moi. Alors, nous disons donc que j'ai 3 millions à vous remettre. À la bonne heure. Et vous les porterez à votre gouvernement, ces 3 millions? Et naturellement. Naturellement, oui. Et qu'est-ce qu'il vous donnera là-dessus, votre gouvernement? Hein? Qu'est-ce qu'il vous donnera? Rien du tout. Et... Non! Non, rien du tout. Tenez, tenez, voici un bon billet de 1000 francs, là. Eh bien, moi qui suis un bon enfant, tenez, je le mets là, ce billet. Et une fois que je l'ai mis là, je n'y pense plus, plus du tout. Je vais le chercher, vous entendez? Je vais chercher mon grattoir et je ne pense plus au bon billet de 1000 francs. Vous n'avez pas qu'est-ce qu'il fait, hein? Mais c'est pas bientôt fini cette mascarade. Il n'a pas pris le billet, c'est un honnête homme. Alors, ces 3 millions, chut, comment je... Oh, taisez-vous donc là, je vais vous parler comme un honnête homme, puisque je sais maintenant que vous êtes un honnête homme. Ces 3 millions, je ne les ai pas. Tu ne les as pas? Non, mais attendez, non, on peut prendre des arrangements. Je suis flambé, c'est un contrat. En Capricorne, le nous ont dit à moi, à moi. Quel est ce bruit de 3 millions, des 3 millions? Il ne les a pas, il ne les a pas. À plus de coquin, tu nous le paieras. À moi, à moi, à moi, à moi. Tu nous le paieras. Monsieur ne veut pas nous payer.
fin pourrait être plus gaie, non? J'espère que vous avez compris la morale de cette histoire. C'est qu'il y a un bandit qui sommeille dans le cœur de chacun de nous. L'histoire, pour la petite histoire, c'est que Falsacapa est devenu le chef de la police. Et lui et ses amis n'ont plus jamais eu peur. Oh non!